Yo, salut les contrebassistes. Alors aujourd'hui, on va jouer version de Heartbreak Hotel par Paul McCartney sur la basse originale de Bill Black, le contrebassiste de Elvis Presley himself. Donc, le tuto complet de Heartbreak Hotel avec une grosse surprise à la fin de cette vidéo, tout de suite après l'intro. Salut, donc moi c'est Stéphane Billon, je vous propose des tutos de contrebasse sur cette chaîne, niveau facile, pour pouvoir progresser un peu dans tous les styles. Ici c'est un morceau ultra connu de blues, de rock, un des monuments du début du rock and roll, Heartbreak Hotel, et surtout Paul McCartney nous fait une jolie version contrebasse voix. Il n'y a pas besoin de grand chose pour pouvoir jouer ça à la contrebasse, c'est vraiment assez simple. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je t'apprendrai un truc de dingue sur la technique de la contrebasse. Alors on y va, on le joue une première fois avec Paul himself. Ok, du coup, c'est toujours en deuxième case, toujours en deuxième position, c'est-à-dire l'index va jouer un Mi sur la corde de Ré. Comment trouver ce Mi? Bien, on va utiliser notre oreille, le repère, si on a besoin, est la corde de Mi grave. Ok, et ensuite, on va bien laisser poser toute la main pour pouvoir faire un demi-ton avec le majeur. Et un demi-ton avec le petit doigt. Ok? Alors ça commence comme ça. Since my baby left me. Donc, demi. Encore la même chose. Donc, mi, ré. Donc, la corde à vide. Là, on change de corde. Et vous avez remarqué, si vous avez une position qui est propre, vous avez juste besoin de changer de corde. Et du coup, ça c'est un super exercice. Parce que aussi, dans le morceau, on va pouvoir vérifier qu'on est toujours juste. Parce que un arpège, ça s'entend bien. Mi, ré, do dièse. Si, la. Et après, on a l'arpège de la. La, do dièse. Donc 0, 4. Et là, vous voyez que dans cette position, on peut même laisser le quatrième doigt posé ici, le premier doigt posé ici. Les deux cordes vont pouvoir résonner ensemble. Nos doigts sont arrondis. C'est utile parce que on va pouvoir faire ces deux petites croches. Donc une première fois, on les fait... Do, Mi, et après on fait le Do vers la corde à vide. Et ensuite, on a la corde de Si, et on est toujours dans la même position. On a fait que changer l'index de corde. Donc là, on a le Si, premier doigt, là, sur la corde à vide. Et on va tomber sur la quatrième corde. Alors là, ça peut être un peu plus difficile. Il faut enrouler un petit peu votre bras, laisser descendre la contrebasse vers vous. Si ça vous fait mal, si c'est difficile, c'est que vous n'êtes pas bien placé sur votre contrebasse encore. Pour pouvoir appuyer ici, il faut que le geste soit souple et que vous utilisez la force de votre bras. En tout cas, vous faites pas mal. 4, 1, donc sol dièse, fa. Mi. Ensuite, on a un arpège de Mi. Mi, sol dièse, si.
OK. Et après, on va retourner au début de la grille. Donc, il y a deux fois la même chose, deux fois le même enchaînement. Une fois qu'on est arrivé à la fin du morceau, on a un mi grave. Donc ici, premier doigt, vous savez qu'on a un si, ici on a un mi. Et là aussi, on va retrouver un si. C'est un truc assez génial sur la contrebasse d'avoir un ton dans la main parce qu'en fait, on a soit des octaves, soit des quintes. Et en fait, pour les lignes de basse, c'est ultra pratique. Du coup, son petit glissando de la fin, pour le faire, c'est assez facile. Vous allez faire le mi grave. Vous allez poser le quatrième doigt sur la corde de sol. Vous avez le mi. Et après, on va glisser tranquillement jusqu'au mi. Et là, on va tomber sur un démanché magique, celui de la septième case, ma position favorite. Allez voir la vidéo sur la septième case, ma position favorite, parce que le pouce va juste descendre jusqu'au talon. Donc ça, c'est assez facile à faire. Vous allez complètement alléger les doigts. Hein. On les laisse poser sur la corde, mais on a complètement allégé. Et on descend tranquillement. Et notre oreille nous guide. C'est la fin du morceau. On peut glisser tranquillement. Voilà. Alors, ça y est, j'espère que vous avez toutes les cartes en main. Juste maintenant, vous pourrez mettre la vidéo de Paul et jouer directement dessus après ces exercices. Petit disclaimer, donc bon, Paul évidemment joue en gaucher, donc il prend une contrebasse de droitier, il la joue comme ça. Et ça, c'est un sacré défi à faire. Et au-delà de ça, je vous avais promis une surprise à la fin, quelque chose d'important. En fait, j'en ai deux choses importantes à vous dire. C'est regarder un petit peu la main de Paul et vous voyez, on peut avoir une main ramassée pour jouer la contrebasse. Et si on fait ça, on est toujours en train de démancher. Ben, en fait, c'est vraiment galère. Vous allez toujours avoir des soucis pour jouer juste. C'est très difficile de se repérer, donc faites attention de bien utiliser cette position où votre écart en deuxième position est toujours bien fixe. Donc voilà, les gens très forts comme Paul qui est très fort avec sa basse électrique, peut-être joue comme ça et peut-être a beaucoup travaillé pour ce morceau. Je pense qu'il a dû beaucoup travailler et s'il veut jouer un autre morceau, il devra beaucoup travailler à chaque fois. Une fois qu'on maîtrise les arpèges tranquillement avec des bonnes positions, on va pouvoir switcher d'un morceau à l'autre beaucoup plus facilement. Et du coup, c'est à ça que sert la technique de base de la main gauche. Donc, si c'est encore un peu obscur pour vous, regardez bien ce que fait Paul, regardez comment on l'apprend, et puis vous aurez petit à petit des infos quand vous allez explorer la chaîne avec cette façon de jouer. C'est vraiment très spécifique des instruments à cordes sans frette, en fait. Et voilà, donc ça, c'était la première surprise. Dernière surprise, quoi, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne? Tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Dernière surprise, je vous ai préparé le relevé. Je travaille sur un site internet spécialement pour vous, apprendrelacontrebasse.com, et sur ce site vous allez trouver les relevés, vous allez trouver ce relevé là. Voilà, du coup vous avez les notes, vous pouvez apprendre à lire les notes, vous allez peut-être déjà le faire bien sûr, vous avez une tablature en dessous qui permet de suivre le morceau. Mais moi je vous invite plutôt à faire des relevés, à jouer avec des vidéos, à faire travailler votre oreille comme on le fait dans cette vidéo. Donc j'ai prévu d'autres tutos, d'autres contrebassistes que j'adore et qui nous inspirent en les regardant, en jouant leurs morceaux. On fera des tutos là-dessus, mais s'il y a des morceaux qui vous plaisent, que vous avez envie de voir relever, eh bien mettez-moi dans les commentaires, faites-moi un petit message et puis j'essaierai de travailler là-dessus. Voilà, à tout bientôt, ciao !